Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Rien ne justifie l'horreur du samedi 7 octobre 2023. À l'heure où le soleil se lève, la barbarie s'est exprimée sur Israël. Une barbarie qui est le fruit de la volonté du Hamas, se revendiquant lui-même de ses actes terroristes islamiques, des morts, des blessés des otages. Ils étaient des enfants, des femmes, des hommes qui demandaient qu'à vivre. Ils ont été sauvagement exécutés, violentés, blessés, blessés, meurtris à jamais, pris en otage. Ce 7 octobre était pourtant celui de Sima Torah, littéralement joie de la Torah. Pour longtemps, le bruit des actes terroristes on fait taire le son de la joie. Les revendications du Hamas sont claires, tuer du juif, nous renvoyant à un antisémisme assumé, multiséculaire, au Proche-Orient comme partout dans le monde. La douleur du peuple israélien est profonde et nous nous y associons. Depuis ce samedi 7 octobre, l'engrenage à la violence s'amplifie heure par heure. Nous ne pouvons accepter que l'État d'Israël, que le gouvernement de M. Netanyahou passe du droit à se défendre à un droit de se venger. Et je fais mien ici les mots de Dominique de Villepin qui affirmait il y a bientôt quinze jours Le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. Un mort est un mort, quelle que soit son ethnie, sa croyance. Nous nous refuserons toujours. À les trier, à les opposer. La situation de Gaza n'est ni acceptable ni soutenable. Déplacement d'un million de populations, tirs de missiles quasi en continu, faisant jour après jour des centaines de morts supplémentaires. Cette situation n'est ni acceptable ni soutenable pour le peuple gazaoui, qui est aujourd'hui privé des biens humains indispensables. Ce sont deux millions de personnes qui sont privées d'eau potable. Obligeant une partie d'entre elles à boire de l'eau de mer nocive à leur santé. À cela s'ajoute un manque de nourriture, de carburant, d'électricité. Toutes les organisations le disent, ce sont plusieurs centaines de camions quotidiens qui sont indispensables pour assurer la survie aux 2 millions d'habitants, loin des 20 camions d'aide humanitaire autorisés à circuler actuellement.